Bonjour à tous, je vous propose ce petit tutoriel pour vous expliquer comment vous allez pouvoir m'envoyer le travail que je vous demande de faire grâce à la messagerie de l'ENT du collège. Donc la première étape est bien entendu de se connecter à la messagerie. Donc vous ouvrez votre navigateur internet, vous entrez les mots-clés ou l'adresse de la messagerie du collège. Vous aurez besoin, vous le savez, de votre identifiant et de votre mot de passe. Et une fois que vous aurez rentré tout ça, vous allez arriver sur la page d'accueil du collège. Sur cette page d'accueil, en haut à droite, vous avez plusieurs icônes. Et nous, l'icône qui va nous intéresser, c'est l'icône enveloppe, qui est en fait l'outil messagerie, l'application messagerie de l'ENT du collège. Vous allez cliquer sur l'icône enveloppe. Une fois que vous aurez cliqué dessus, vous allez arriver dans ce qu'on appelle l'application messagerie, et plus précisément dans la boîte de réception de la messagerie. Vous voyez, moi j'ai plein de messages ici que je n'ai pas encore ouverts, ils sont surlignés en bleu. C'est un petit peu votre boîte aux lettres en fait. Hein. C'est là où vous allez pouvoir recevoir tous vos messages, votre boîte de réception, mais c'est aussi à partir de cette boîte de réception, vous allez pouvoir aussi envoyer vos messages, ce qu'on appelle créer un nouveau message. Donc pour m'envoyer le travail que je vous demande, vous allez cliquer sur « Nouveau message ». Et quand vous allez cliquer sur « Nouveau message », une nouvelle page va s'ouvrir et cette page va vous permettre de rédiger votre message. La première chose à faire est de choisir la personne à qui vous souhaitez envoyer le message. Donc vous allez aller dans la rubrique A, cliquer à l'intérieur de cette rubrique, et vous allez pouvoir commencer à taper le nom de la personne à qui vous voulez envoyer le message. Donc là, dans l'exemple, c'est Monsieur Vaillant. Donc vous voyez, dès que vous mettez les premières lettres, l'application, l'ENT, l'application de messagerie vous propose toutes les personnes possibles. Bon, les personnes qui s'appellent Vaillant, il n'y en a qu'une dans le collège, c'est moi, donc il vous propose Vaillant Timothée enseignant. Donc vous cliquez sur Vaillant Timothée enseignant. Pensez bien enlever les lettres qui sont restées affichées. Et donc là, vous avez choisi à qui vous envoyez le message. Dans la rubrique objet, il est important quand même de mettre un objet de votre message parce que ça peut être gênant lors des envois. Parfois, ils peuvent tomber dans les spams ou dans les pourriels. Donc vous mettez un objet. Alors, pour m'aider à bien organiser tout ça, parce que vous doutez bien que je reçois beaucoup de messages, je vous demanderai, s'il vous plaît, d'indiquer votre classe, donc par exemple 5e A, d'indiquer votre nom, par exemple Bart Simpson, et d'indiquer ce que vous m'envoyez. Travail, frise, chronologique. Une fois que vous avez fait ça, vous allez pouvoir passer à la partie rédaction de votre message, rédaction de votre mail. Donc voilà, vous cliquez dans cette partie de la page. Et donc vous pouvez rédiger un gentil mail. Bonjour Monsieur Vaillant, par exemple. J'espère que vous allez bien. Je vous envoie le travail demandé sur la frise chronologique. Et puis, belle journée à vous. Et puis, vous signez votre message. Voilà, bon, après, vous pouvez faire ce que vous voulez, tant que vous restez poli, voilà, ça ne me dérange pas. Hein, et voilà, bon, mais pensez à écrire quand même quelque chose. Donc là, vous avez choisi votre destinataire, vous avez mis l'objet de votre message, vous avez mis le contenu de votre message, mais vous n'avez pas encore donné votre travail. Pour mener votre travail, il faut que vous alliez tout en bas de cette page et que vous cherchiez le bouton « Ajouter une pièce jointe ». En fait, ajouter une pièce jointe, ça va vous permettre d'ajouter votre travail à votre message, un petit peu comme un colis si vous voulez. Vous avez rédigé votre courrier et puis vous mettez l'objet que vous allez mettre dans le colis pour la personne à qui il est destiné. C'est exactement le même principe. Donc vous cliquez sur « Ajouter une pièce jointe » et quand vous cliquez sur « Ajouter une pièce jointe », vous avez une fenêtre qui s'ouvre et donc cette fenêtre va vous permettre d'aller chercher votre travail que vous avez préalablement enregistré sur votre ordinateur. Donc par exemple, si vous m'avez rédigé un texte sur une feuille et vous avez pris une photo, ou si c'est la photo de votre frise chronologique, vous avez fait votre photo, vous l'avez chargée sur l'ordinateur, vous allez aller la chercher, imaginons que ce soit celle-ci, vous la sélectionnez, vous cliquez sur ouvrir, et votre photo vient de se charger dans la partie pièce jointe. C'est exactement pareil pour tout type de fichier. Si vous avez rédigé un texte avec LibreOffice ou Word, vous sélectionnez le texte que vous avez rédigé, donc là par exemple autorisation de sortie, vous cliquez sur ouvrir et il se met dans la rubrique pièce jointe. C'est pareil aussi pour un
un PDF, rédiger là par exemple un récit historique, c'est le travail qu'on m'avait demandé, je clique sur ouvrir et il s'est mis dans la rubrique pièce jointe. Et une fois que vous avez fait ça, vous remontez et vous n'avez plus qu'à cliquer sur envoyer. Le message vient de s'envoyer, alors ça peut prendre un peu de temps parfois, hein. Et quand vous retournez dans votre boîte de réception, voilà le message qui vient d'arriver sur ma boîte de réception. Bon, il n'y a rien de bien compliqué là-dedans, donc vous pouvez facilement m'envoyer le travail que je vous demande via la messagerie de l'ENT. Voilà, j'espère que tout est clair. Je vous souhaite bon courage pour le travail que vos enseignants vous demandent. Au revoir.